Ils sont poursuivis de vols à main armée, détention illégale d'armes de guerre et munitions, administration de substances toxiques et nuisibles à la santé, plus escroquerie. Et enfin, nous avons deux mineurs qui sont poursuivis pour vols qualifiés. D'ici là, ils seront déférés devant l'auditorat militaire. Ces objets que vous voyez ici seront restitués aux propriétaires après avoir établi un procès verbal de restitution. Vous comprenez, 28 sacs, quelles conséquences sur la jeunesse et sur tous les consommateurs? Comme vous le savez, il est interdit de cultiver, de consommer et de commercialiser le chanvre à fumer. C'est pourquoi nous procédons à la destruction. À tous ces cultivateurs, à la place de cultiver le chanvre, on a besoin plutôt de la nourriture que de détruire les cerveaux de la jeunesse.